C'est parti pour ce prix Michel Réglade. C'est la quatrième épreuve du jour sur l'hippodrome du Bousquet. Une course à condition réserve à des 80 plus. Il y a 1900 mètres à parcourir. Octo King, le numéro 1, est bien parti. Côté corde, Potier également, c'est très bien élancé avec Forecaster. C'est le 8 qui est en troisième position. Master Dan, le numéro 5, est un petit peu isolé en dehors par Olivier Pellier. Rogue Runner vient en cinquième position devant Golden Wood, accompagné de Guitar, le 3. Et pour l'instant, The Commissioner, le numéro 6, ferme la marche. Les concurrents qui ont parcouru 200-300 mètres de course avec Potil, numéro 2, qui a l'avantage. À l'extérieur, isolé, le 5, Master Dan est en deuxième position. Ensuite, on retrouve Octo King, qui reste calé le long du rail, en compagnie de Potier également, du numéro 8, Forecaster, alors que le peloton se scinde en deux. On a Rogue Runner, qui a fait mouvement vers l'extérieur, ainsi que le numéro 4, Golden Wood. Le 3, Guitar, se rapproche un petit peu. Toujours le 6, Commissionneur, qui ferme la marche. Ligne d'en face, Potil, numéro 2, qui a toujours l'avantage sur l'as. Octo King, ensuite on retrouve en dedans le numéro 8, Forecaster, devant Master Dan, pardon, le numéro 5. Et ensuite c'est Rogue Runner qui vient en 6ème position. Le tournant, Potty qui a toujours le meilleur devant Octo King. Côté corde, Forecaster qui est là. À l'extérieur, on a Master Dan qui n'est pas loin, puis Rogue Runner qui patiente dans son sillage. Golden Wood, le favori, toujours dans le deuxième tiers du petit peloton. On est à mi-tournant avec Potty, numéro 2, qui a toujours le meilleur. Octo King, le numéro 1 à l'extérieur. Le numéro 5, Master Dan, y a ensuite. Ça va bien pour Forecaster, numéro 8. Pour l'instant, Golden Wood qui se rapproche. Rogue Runner, le 7, qui était un petit peu décalé. Le 3, Guitar, est sollicité, hein, tout comme le 6, de Commissionneur. Entrée de ligne droite bientôt, avec toujours le 2 Potty qui va plutôt librement côté corde. Là, Octo King qui passe à l'attaque, ainsi que le numéro 5, Master Dan. Golden Wood qui attend l'ouverture, qui semble avoir pas mal de ressources, qui est lancé maintenant par Grégory Benoît. Et puis Rogue Runner qui vient de l'attaquer à l'extérieur. On est à 350 mètres du poteau avec Golden Wood à l'extérieur qui a un petit peu de mal, qui reste en suspension pour l'instant. Master Dan qui prend l'avantage sur Octo King, le numéro 1. Et puis Rogue Runner en dehors qui tente de se relancer avec Golden Wood qui trouve un second souffle. On est à mi-ligne droite avec Master Dan qui a l'avantage maintenant. Golden Wood qui refait du terrain sur lui, alors que Rogue Runner est pour l'instant battu, semble-t-il. Le numéro 4, Golden Wood, qui finit de plus en plus fort en dehors. Le 5, Master Dan, qui est côté corde. Le 5, Master Dan, qui va peut-être préserver un léger avantage sur le numéro 4, Golden Wood. Au passage du poteau, c'est l'as Octo King qui a pris la quatrième place. La troisième place. On va retourner une arrivée provisoire avec... Oui, la troisième place. Une arrivée provisoire avec une arrivée premier, le 5, Master Dan, qui semble s'être imposé au passage du poteau devant le 4, Golden Wood. Par contre, Laurent, c'est plus pointu pour la troisième place entre l'as Octo King et le 2, Potty.